Eh bien bonjour tout le monde, c'est les Micropayeurs, aujourd'hui on se retrouve sur un magnifique fail. Et nous sommes devant l'endroit, devant les quartiers principaux. Mais comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui nous allons surtout nous retrouver pour les cinématiques qui seront tout simplement ça va être un résumé de l'histoire. Donc on va faire du souvenir 1 au souvenir 18. Bref, dès maintenant je pense que je ne vais plus parler, ou du moins si je parle c'est juste pour qu'on parle un peu. De toute façon il y a les sous-titres dans le jeu. Bref, nous revoyons les souvenirs. Et voilà. J'espère que vous passerez une bonne avant-dernière vidéo dans ce let's play. Héros d'Hyrule, élu de la lame purificatrice. Toi qui as prouvé ton habileté au combat et ta volonté infaillible, reçois la bénédiction de la déesse Ilia. À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule, l'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un. En ce jour et pour toujours, que nos prières galvanisent sa lame et soutiennent ton bras. L'âme de pureté, venue de... C'est un peu lugubre, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant? Quoi qu'il en soit, il suffit de regarder la princesse pour constater qu'elle n'apprécie pas ce garçon beaucoup plus que moi. Elle n'y peut rien. Mettez-vous un peu à sa place. C'est dur pour elle. Tout en lui rappelle qu'elle n'est pas à la hauteur. Ah du coup, dans la logique du jeu, on doit commencer quand même par Revali, Daru, Urbosa et en dernier Mipha. Bon bah j'ai complètement niqué l'ordre du coup, hein, en commençant avec Mipha. Bref. C'est un talent exceptionnel, unique au sein du peuple des maîtres des cieux. Nul doute que cette technique nous donnera un avantage considérable contre le fléau Ganon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi, Revali. Autrement dit, le plus grand archer du peuple Piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et malgré ça, je devrais me contenter de rester à ton service. Tout ça parce que monsieur a sa vieille épée rouillée qui le rend plus important que tout le monde? A-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule? Oh, est-ce que je t'ai mis en colère? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Voyons voir. Et si nous allions nous affronter... là-haut? Toujours aussi un connard ce Revali, mais ce n'est pas grave parce qu'il est mort. Et ça c'est marrant. Nous devons rejoindre le village Goron. Il sera plus facile pour Daruk de piloter sa créature divine si j'y apporte quelques modifications. Il l'a déjà déplacée plusieurs fois, mais on dirait qu'il ne l'a pas encore parfaitement en main. Quand je pense que ces créatures sont de conception humaine, c'est une chance. Cela veut dire que nous sommes capables de comprendre leur fonctionnement. Je percerai leurs secrets. C'est notre seule
seule chance de sortir victorieux du combat contre Ganon. J'y arriverai, il le faut. Ouais, dans Skyward Sword, bon, ça fait un peu plusieurs milliers d'années dans la timeline, mais c'est pas si grave. Bon, par contre, on va un peu augmenter ça quand même. Voilà, au max, parfait. Prodige Darug. Pouf. Ganon se réveille. Putain, il a pas attendu énormément de cinématiques pour se réveiller. Hein. Non mais bordel, Ganon commence à se réveiller qu'à la quatrième cinématique, oui. C'est trop tôt. Viens au bout de la dixième. C'est un bon moment. En même temps, ça veut dire que dans l'histoire, avant que tout le monde crève, il est à la moitié. Pas. J'en étais sûre. Ces ruines ont été conçues pour l'élu de l'épée purificatrice. C'est la seule explication. Mais je n'arrive pas à comprendre comment cette porte s'active. Pourtant, il y a forcément un moyen d'entrer. Ouais, non, j'avais rien à dire. Ah, te voilà. Tu as fait drôlement vite. Tu n'es pas son chevalier servant pour rien. En tout cas, je te remercie de t'être déplacé. Elle a encore passé la journée entière sur les reliques. Pas étonnant qu'elle soit épuisée.
Et sinon, comment ça se passe? Vous vous entendez mieux tous les deux maintenant? Non. Je vois. Essaie quand même de ne pas lui en vouloir. Ils arrivent quand même à comprendre ce qu'il dit. Hein. Chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée, elle a le cœur qui se serre. Elle ne cesse de se répéter quelle est la honte de la famille royale. Non pas que ce soit ta faute, évidemment. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Elle n'a jamais ménagé ses efforts. Depuis son plus jeune âge, elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources. Elle en est sortie plus d'une fois transie de froid. Ou encore grelottante de fièvre. Malgré ça, son pouvoir ne s'est jamais manifesté. Connard de pouvoir. Alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire. L'étude des anciennes reliques. Crois-moi, c'est une fille bien. Protège-la. Elle le mérite. Et puis c'est ton rôle. Il commence à faire frais. Je devrais peut-être la réveiller. C'est marrant. Touchant. Cette blessure n'a pas l'air trop sérieuse. Normalement, mais vous êtes censé disparaître, les ennemis. Tu devrais faire plus attention. Tu as beau être fort, tu n'es pas immortel. Les rapports récents indiquent que les monstres se font chaque jour plus agressifs et que des espèces encore plus redoutables font leur apparition. Se pourrait-il que ce soit là un signe annonciateur de la résurrection de Ganon? Éventuellement, oui. Allons, ne traînons pas. Mieux vaut nous attendre au pire. Nous n'en serons que mieux préparés quand ce jour arrivera. Il y a des chances que cette vidéo ne dure pas aussi longtemps que je l'aurais cru, honnêtement. Et tant mieux, si c'est le cas. Mais en même temps, tant mieux, ça fera le peu durant moins longtemps. Et celle-là, là-bas? Les fleurs d'Hyrule ne se contentent pas d'être belles. Ce sont aussi des matériaux de premier ordre. Oh. Celle-ci, c'est une princesse de la sérénité. Comme son toi. Espèce est menacée, malheureusement. Depuis quelque temps, nous les cultivons intensivement pour tenter de les sauver, mais leur nombre ne semble pas augmenter. Après tout, la princesse est peut-être vouée à disparaître. Hélas. Oh ! Tiens, regarde ça ! Non seulement c'est délicieux, mais en plus, on a découvert récemment que sa consommation aurait une influence sur nos capacités. Nous menons justement une étude sur les gens de la cour pour déterminer son efficacité. Fort comme tu es, tu ferais sûrement un cobaye exceptionnel.
Il faut absolument que tu y participes. Allez, fais A. Et il l'a fait, hein. Il a fait A. Bon, à sa manière, mais il a fait A. Notre meilleur ami pour la vie. Oh, la trompe. C'est drôle. Ça me rappelle notre première rencontre. Tu étais un enfant si turbulent. C'est vrai, tu n'arrêtais pas de te blesser. T'étais un vrai petit con. Et moi, je te soignais. Je veillais sur toi comme je le fais aujourd'hui. Osez dire qu'elle est pas encore sur lui. Les liens grandissent si vite. Bien plus vite que nous, en tout cas. Tu es déjà presque un adulte. J'étais heureuse de pouvoir te soigner. Très heureuse même. Ce fléau qui va ressusciter. Ganon. Je connais son nom depuis toujours, mais je ne sais rien de lui, ni des combats qui nous attendent. Mais sache que si jamais il devait vous arriver quelque chose à toi ou à l'un de nos compagnons, je vous soignerai. T'as surtout envie de dire moi. À chaque fois, quelles que soient vos blessures, je serai là. Je serai là pour te protéger. Et quand la bataille sera terminée, j'aimerais beaucoup que tu reviennes me voir. Comme quand nous étions tous les deux des enfants. C'est touchant. Bref, allez, on passe à la suite. À la 11e. La pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Salope de pluie. En choisissant de devenir chevalier, tu as suivi les traces de ton père. Tu t'es entraîné durement. Jusqu'à devenir si fort que l'épée purificatrice t'a reconnu pour maître. C'est merveilleux, exceptionnel même. Mais si tu n'avais jamais fait preuve du moindre talent à l'épée. Mais qu'on ne cessait de te répéter, depuis ta plus tendre enfance qu'un fils de chevalier se doit de devenir chevalier lui-même. Honteux. Si on t'avait répété ces mots toute ta vie. Dis-moi, aurais-tu choisi le même chemin ? Je sais pas. Bonne question. Divine. Nous aurons alors toutes les chances de notre côté. Nous pourrons tenir tête à Ganon le moment venu. Que faites-vous ici? Nous observions les gardiens. Si nous voulons être en mesure de repousser Ganon, il nous faut tout savoir de ses reliques. Je vois. C'est tout à fait exact, en effet. L'étude des reliques est essentielle à la survie du royaume. Cependant, vous conviendrez que ce n'est pas là le premier devoir de la princesse Tyrulle. Combien de temps encore comptez-vous vous soustraire à vos responsabilités ? Je ne m'y soustrais pas. Il y a quelques jours, je me suis rendue à la source du courage. J'y ai prié avec ferveur. Vous passez tout votre temps sur ces reliques.
comme si la méditation ne revêtait pas la moindre importance à vos yeux. Vous pensez peut-être que le pouvoir du sceau s'éveillera de lui-même sans effort de votre part. Je l'ignore. Je fais tout mon possible, père. Simplement, je le vois bien. Je vous serais d'une plus grande utilité si j'apportais ma contribution d'une autre manière. Incroyables excuses. J'en ai assez entendu. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis de vous approcher de ces reliques. Vous consacrerez votre temps à la méditation. Savez-vous seulement ce que l'on dit de vous à la cour? Savez-vous comment ils vous considèrent? Comme une merde. Comme une princesse ratée. Ouais, ça revient au même. Une irresponsable incapable d'accomplir son destin. C'est méchant, ça. Prouvez-leur à tous qu'ils se trompent. C'est compris? Oui, père. Oh putain! Désolé, là je viens juste de recevoir une notif Twitter comme quoi on commence déjà à avoir des infos sur GTA 6. Bon, à l'heure où cette vidéo sort, donc le 18 août je crois, 18 ou le 19, je sais pas. Oui, quand je tourne la vidéo, on est le 27 juillet, hein, vous savez, donc vous comprenez. Mais ouais, putain, déjà des annonces sur GTA 6, le jeu il va sortir plus vite que prévu ou quoi? C'est une bonne chose, mais ça serait décevant si ça arrive. Parce que ça voudrait dire qu'ils n'auront pas assez bossé sur le jeu. Le pouvoir du sceau. Il permet d'endiguer le fléau et se transmet de mère en fille. C'est un pouvoir sacré, éveillé par la prière. C'est ce qu'on m'a toujours répété. Pourtant, ma mère me parlait d'une force mystique qui l'habitait et des voix des esprits qu'entendait ma grand-mère. Mais moi... je ne ressens ni n'entends rien de tout cela. Mon père m'a maintes fois réprimandé à ce sujet. Ce n'est pas en perdant votre temps à jouer les chercheuses que vous éveillerez votre pouvoir. Seulement, j'ai beau prier de tout mon cœur depuis l'âge le plus tendre. 2 ans. Et implorer la terre foulée par les anciens dieux. Le pouvoir sacré ne s'est jamais manifesté. Alors, dis-moi, que puis-je faire de plus? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu dois encore plus prier, je suppose. Faudrait que je pense à lire les résumés. Oh, c'est mort maintenant, tant pis, on s'en branle. On les lit pas, tant pis. Fuc! Tu sais, tu avais raison pour mon cheval. Avec de la patience et de la douceur, tout va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est notre cheval maintenant, MDR. Nous arrivons à nous comprendre désormais. On n'a pas trouvé Ponard. Nous allons finir par devenir de vrais amis, lui et moi. Mais on a son cheval qui s'appelle Monsieur Connard. Moi qui étais si sûre qu'il n'accepterait jamais le harnachement royal. Je m'étais bien trompée. Regarde, il s'y est habitué, non? Comme quoi, quand on se met un peu à la place des autres, ça change vraiment tout. N'est-ce pas? Oh, cette musique! C'est la montagne de l'Anel là-bas. Elle tire son nom de celui de la déesse de la sagesse, Meiru. Tu connais la coutume, bien sûr. Nul ne doit s'aventurer sur la montagne avant ses 17 ans. C'est l'âge de la sagesse auquel chacun peut fouler les terres de la déesse sans l'offenser. C'est-à-dire? Non, j'avoue que je comprends pas. La source de la force, la source du courage. Aucune des deux n'a pu éveiller mon pouvoir. Mais peut-être... peut-être que si je vais là-bas, à la source de la sagesse, cette fois... Bah oui, c'est vrai. Je me fais peut-être des idées, mais ça ne fait rien. Tant qu'il restera une chance, si infime soit-elle, je dois y croire jusqu'au bout. C'est vrai, celle qui a la triforce de la sagesse à la base. Demain, j'aurai 17 ans.
Oh, bonne anniv. Pour le dernier épisode en plus, quel hasard. Demain, j'irai. Je me rendrai sur la montagne. Attends, du coup, ça veut dire que je suis plus grand ou plus petit que Zelda, quand j'y repense, parce que j'ai 19 piges. Mais vu qu'elle est restée quand même 100 ans sur Ganon, elle est plus vieille que moi ou plus jeune? Parce que... elle aura beau avoir 117 ans, elle est quand même... elle a l'air quand même jeune, hein. Contrairement à Impa. Ah! Dégueulasse de faire des blagues comme ça. Ça se fait pas, même si c'est marrant. Alors, racontez-nous, princesse. Comment ça s'est passé sur la montagne sacrée? Toujours rien, n'est-ce pas? Ouais, depuis 2018. Pas de pouvoir du saut. Ah non, je... Pardonnez-moi. Allons, madame. Vous avez fait de votre mieux. On n'y peut rien si ça n'a pas fonctionné. Après tout, la méditation n'est peut-être pas le seul moyen d'éveiller le pouvoir du sceau. Il est tout à fait possible qu'il finisse par se manifester d'une autre manière. Ah. Merci, Urbosa. Urbosa. Votre Altesse. C'est un peu difficile à expliquer. Voilà. Je me suis demandé à quoi je pensais quand... Quand j'utilisais mes pouvoirs de guérison... Eh bien... En fait, je... Ah, les mêmes tremblements de terre qu'au Japon. Eh, tiens donc, c'est un jeu japonais en plus. Oh, c'est tellement réaliste. Bravo Nintendo. Vous êtes trop réaliste pour nous. Ah, on peut pas vous battre. Non. Il s'est réveillé, ce fils de pute. Merde, fallait dire réveillé. Vous inquiétez pas, princesse. Moi et les autres, on va s'en occuper nous-mêmes. Écoutez-moi, tous dans les créatures divines, prêts à le canarder. On fait feu comme un seul homme. Eh, c'est trop bien comment il... Toi, tu vas au château d'Irulte. On sera là pour te couvrir. Alors transforme-moi ce Ganon en chair à pâté. On verra ça demain. Allez, venez, madame. Eh, c'est trop bien comment il prédit la vidéo qu'on aura demain, c'est ouf. Ah, franchement, je l'aurais pas cru. Laissez-moi vous suivre. Je ne vous serai sûrement pas d'un grand secours. Mais... je veux au moins rester à vos côtés. Est-ce trop bien comment il a prédit le live... le live, n'importe quoi. Je pourrais même pas faire de live quand cette vidéo sortira. Qui aurait pu prévoir qu'ils allaient tous crever? Moi. Ah, il peut... Oh mon dieu, ils se sont lâchés la main. Oh putain! Regardez ça. C'est vraiment plus une erreur, c'est horrible. Les créatures divines, les gardiens, retournez contre nous. Impossible. Quelle bonne de traite. Je n'arrive pas à croire que Ganon les ait corrompus. Oh le fils de pute. Ils sont tous morts. Ouais, c'est pas pour dire le mot mort, hein. Et tout ça par ma faute. Le pouvoir du sceau ne s'est pas éveillé. Nous avons perdu les seules armes qui auraient pu... La honte. Connasse. Et toutes ces recherches, tous ces efforts n'auront servi à rien du tout. Right. Et maintenant, tous ceux qui me sont chers, mon peuple, mes amis, mon père, tous sont péris à cause de moi. Je n'ai rien fait.
rentrant, il commence à pleuvoir. Eh. Non, je déconne. Mais on va pas commencer à faire des conneries, surtout qu'on est en fin de vidéo là. En plus, les deux derniers, ça fait grave longtemps qu'on les a pas vus. Ça fait trop longtemps pour moi. Ça doit faire quelques jours. Pour moi, ça fait au moins une semaine. Ou deux. Ou deux semaines. Ah non, lui, ça fait plus longtemps. Arrête, arrête. Je t'en prie, ne te sacrifie pas pour rien. Sauve-toi. Dieu, une explosion nucléaire! Waouh! Et maintenant, les dernières cinématiques. Zelda a porté l'épée de légende jusqu'à l'arbre Mojo, auquel elle confie la lame légendaire en lui demandant de transmettre son message à Link lorsqu'il se présentera à l'épisode 50. Le vieil arbre lui arrache un sourire quand il lui fait remarquer que c'est à elle qu'il en vient de s'en charger. Attends, il a vraiment souri ? Je vous en prie. Soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. C'est pas parce que c'est un peu scripté, hein, ou prévu par le jeu. Que comptes-tu faire à présent ? Prêtresse royale d'Hyrule. Ça doit être mieux d'être un arbre. On doit se faire chier. Surtout qu'il y a la des lame que qui voici, nous chient dessus. L'épée de légende m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Voilà, je... Allons, allons. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne. Ne crois-tu pas? C'est vrai. Jarzus, on l'avait vu ça? Oh, je me rappelle pas. Hein. Je me rappelle pas d'avoir vu ce moment. Hein. Mais bon, je vais dire que c'était le cas. Même si j'ai aucun souvenir d'avoir vu ça. Ah, c'est tout gâché, je sais. Et. Voilà.
Bon, eh bien, ça y est, nous y sommes. L'épisode final. Ça sera la prochaine vidéo, l'épisode 100. Ça fait toujours bizarre de dire l'épisode 100, hein, parce que... Bah, c'est qu'avec Breath of the Wild hein, qu'on est arrivé à l'épisode 100. Alors éventuellement, il y a d'autres let's play à l'avenir qui pourront être le cas aussi, hein, jusqu'à l'épisode 100, peut-être même 200, hein, on ne sait pas. Ça dépendra de mon envie de faire des 100% sur des jeux. Mais voilà. Nous y sommes. Ça y est. Nous... Voilà, on se met comme ça. Nous y sommes. La fin du let's play d'une certaine manière. Enfin, ça sera demain la suite et la fin du let's play. Et voilà. Nous avons juste à rentrer à l'intérieur. Et c'est réglé. Alors, petit truc, c'est que si on aurait eu les 120. Les 120 sanctuaires, on aurait pu avoir le bouclier. Le bouclier. Bordel. Le bouclier Ilia. Parce que là c'est trop fort. On aurait pu avoir le bouclier Ilia. Malheureusement nous n'avons pas réussi. Je vais même pas essayer de le faire de mon côté parce que ça va être trop chiant à chercher certains sanctuaires. Vraiment ça sera affreux. Je veux pas prendre le risque de me faire chier pendant plusieurs jours et d'en final ne pas pouvoir ou ne plus avoir envie de faire l'épisode final. Ça se peut que je ferai même pas le boss final, mais j'aurais aussi plus envie de le faire. Du coup je veux pas prendre ce risque hein. Pour l'instant j'ai envie de le faire, donc je le ferai. Mais voilà, bref. Du coup, j'aurais pas le bouclier Ilia malheureusement. Peut-être qu'éventuellement, si dans quelques semaines, quelques mois, je décide de faire le jeu à 100%. C'est pas prêt d'arriver, mais supposons que ça arrive. Voilà. Mais sinon, bref. Donc je pense que ça y est. Il est temps de se dire au revoir. Et ça y est. Nous y sommes. La fin du jeu. La fin d'un grand let's play. Et... par la même occasion, le let's play le plus long de la chaîne depuis l'épisode 48. Maintenant, depuis l'épisode 48, chaque vidéo qui sortait était un nouveau record. Maintenant, tout ce que j'attends, c'est de voir quel sera le jeu, quel sera le let's play qui nous fera battre le record actuel, qui sera de 100 épisodes, à partir du prochain épisode. Ouf, ça fait bizarre de dire tout ça. Mais bon, du coup, voilà. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Lemic ou pas. Je vous dis à demain ou à très bientôt si vous regardez beaucoup plus tard. Vous ne voulez pas vous taper l'épisode final directement. Donc à bientôt ou à tout de suite ou à demain pour ceux qui regardent la vidéo dès qu'elle sort. Et voilà. Prochaine vidéo, la fin d'un très grand let's play. Et il y aura pas mal d'autres choses que j'aurai à dire dans les crédits si je n'oublie pas. Je les ai en tête à l'heure actuelle. Si j'oublie pas, je les dirai pendant les crédits. Sinon, bon bah merde, hein, je ne le dirai jamais. Et voilà. Du coup, et bien voilà. Hein, si cette vidéo vous a plu, et bien likez, commentez, partagez. Et surtout, abonnez-vous sur ce, c'était Lemic ou pas. Et puis moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour la suite et la fin de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Au revoir tout le monde.